Bonjour jean Viard, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec le projet de réforme des retraits que nous vivons actuellement, se pose forcément la question euh, des Français et leur rapport au travail. Est-ce que déjà vous pourriez nous dire si les Français aiment travailler On est un des pays où on est très attaché au travail. Et on est un pays où on est très productif, donc il faut avoir ça dans la tête, si mmh. vous voulez. Mais c'est vrai que la, la grande pandémie. A complètement bousculé, c'est-à-dire modifier le rapport au travail, le rapport des couples, le rapport à la ville. On a tellement réfléchi, on a eu peur, etc. C'est pour ça qu'il y a un million de couples qui ont explosé, deux ou trois millions qui ont changé de boulot, etc. Aux États-Unis, c'est 30% des gens qui ont changé de boulot. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail Une chose simple, chaque époque a une culture du temps, si vous voulez. Mmh. Il y a eu les périodes où c'était religieux et agricole. On travaillait beaucoup à la récolte des saisons, etc. Après, on a inventé le monde industriel, et avec, on va dire, le Fordisme en casse. là aussi, on travaillait beaucoup. On travaillait beaucoup avec une structure très hiérarchique des horaires très précis, on comptait les minutes, etc. Mais c'était un modèle de toute la société. C'est-à-dire, le modèle du travail était, j'allais dire, le modèle du couple, où mmh. la femme obéissait à l'homme, je un peu, et pareil, la politique. Nous, on est dans une autre société. Notre espérance de vie, aujourd'hui, elle est de 700 000 heures. En 1945, elle était de 500 000 heures. La durée légale du travail en France, par rapport à la retraite, c'est 70 000 heures, aujourd'hui. Mmh. Donc, Donc on passe un dixième de notre temps au travail. Travailler. Donc, ça veut dire quoi Alors qu'après-guerre, la durée du travail c était 120 000 heures, essentiellement masculine, sur une vie de 500 000 heures comme vous aviez dormi 200 000 heures, en gros, une fois que vous avez fini de dormir et de travailler, vous ne restez pas énormément de temps. Nous, quand on a fait 30 000 heures d'études, 70 000 heures de travail, 200 000 heures de sommeil, 300 000 heures. comment on vit 700 000 heures, il en reste 400 000. Donc c'est quoi C'est une société de loisirs Mais Bien sûr, c'est vraiment... une société de loisirs, d'études, euh, de voyages, de télévision. La télévision, c'est 100 000 heures, par exemple. Ah, énorme. Depuis qu'on a inventé la télévision, la vie a augmenté de 100 000 heures. On les passe entièrement devant la télévision. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est 100 000 heures pris sur les cimetières. Vous voyez, il faut le regarder comme ça. Il <laughs> faut, faut le prendre donc, du, du bon du côté coup, des non, choses. Non, mais ça veut dire une chose c'est que les codes sociaux ah, se okay. construisent dans le hors-travail. Mm -hmm. Le rapport aux autres, le rapport aux vêtements et surtout. C'est pour le... ça que les gens sont dans la rue actuellement C'est parce qu'ils veulent plus. Pourquoi ils ne veulent pas de cette y a deux réforme choses, de Il y a deux choses. Il y a d'une part qu'elle est très mal présentée. On parle de justice personne n'a vu où il y avait de la justice. Qui est de la nécessité financière on peut très bien l'accepter. Et la deuxième chose, c'est que dans le hors-travail, on, on a le pouvoir sur son emploi du temps. Et donc petit à petit, on a intégré ce pouvoir. Je travaille quand je veux, je oui. m'habille quand oui. je veux, etc. C'était l'idée des 35 heures, c'est l'idée du télétravail. Oui. C'est d'ailleurs les questions de la semaine de 4 jours pour ceux qui n'ont pas télétravail. Et d'un coup, on vous dit 64 ans. Non. On veut pas d'âge. C'est trop rigide, voulez-vous dire. C'est parce que ça vous angoisse. Vous avez d'un coup l'idée qu'il y a un âge. Puis on peut mmh. vous dire vous allez mourir à 84 ans. Mmh. On pourrait aussi vous dire à 84 ans vous supprimez la vie. Non. Il faut se dire qu'il y a des gens qui ont envie de travailler plus longtemps, moins longtemps. Il y a des gens qui peuvent. Mmh. 44 des Français veulent s'arrêter plus tôt mmh. parce qu'ils ont. On hérite à 63 ans. 60% des gens héritent la maison de leurs parents. Donc peut-être qu'ils vont la louer, après tout, la retraite, c'est qu'un complément. On est une société d'extraordinaire liberté. Il y a un chiffre que je donne toujours 63% des bébés naissent en mariage. Mmh. Ça veut dire qu'on n'a plus envie de passer dans les codes, le mariage, le vote obligatoire, la Mais ça veut dire qu'on travaille moins. Simplement, on travaille, j'allais dire, à sa main. C'est ça l'enjeu. Et avec Et bien plus, entendu. effectivement, de maîtrise de notre part. Dimanche dernier, dans les colonnes du Parisien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé le mépris profond de la valeur travail de la gauche qu'est ce qui veut dire que' en fait travailler c'est une valeur de droite c'est quoi le propos? Oui, c'est ça, mais si vous voulez, c'est un jeu avec, avec Mme Rousseau. Alors justement, fait, parce que Mme euh, Rousseau, c'est autre chose. Elle, elle, elle parle. Euh, ben vous savez quoi On va l'écouter. On va écouter Mme Rousseau. Vous lui une. Moi, distance. je vous dis qu'on a un droit à l'appareil. Je vous dis qu'on a un droit à la transition euh, de, des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Alors elle parle aussi du droit à la paresse, alors que Fabien Roussel, lui, euh, explique qu'au contraire, c'est la gauche du travail. Pourquoi autant de, 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 de visions différentes du travail au sein de la gauche Si vous voulez, Marx disait toujours, on mesure la qualité d'une société à la qualité du hors-travail. C'est-à-dire que ce qui fait la qualité de société, c'est comment les gens vivent, en travail, leur vie amoureuse, leurs enfants, etc. C'est toujours la même question, et je crois que si vous voulez, c'est des batailles politiques et sémantiques, parce qu'ils n'ont pas compris qu'on passe d'un code culturel, celui du fordisme, à un autre code culturel. C'est pas qu'on travaille moins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Donc le débat pour moi, il est complètement biaisé. On n'a jamais eu autant de temps libre. Si vous voulez, il faut bien voir la durée de la retraite. Pour les hommes, c'est actuellement 19 ans en moyenne. Mmh beaucoup plus pour les dames. Ouais. On n'a jamais eu autant de temps libre. On travaille 30, en France 38 heures par semaine à peu près. Mais Donc si voulez, il faut arrêter ce discours. On dit ah, le travail est la mort. Ça, c'était peut-être vrai chez Zola. Mm -hmm. Mais on n'est pas chez Zola. Mm -hmm. Après, qu'il y a des métiers difficiles. Ouais. Que depuis la retraite à 60 ans, en 81, les forces sociales n'ont fait aucune proposition pour après. La bataille, logiquement, après, c'était l'égalité de vie. Comment on modifie les conditions de travail des métiers difficiles, comment on leur offre tout. Mais le... je ne sais pas, mettons tous les 10 ans, il y en a une formation pour qu'ils fassent autre chose. Oui, parce que le loisir, c'est bien, mais tout le monde n'a pas aussi l'argent pour se payer les loisirs que, dont, dont on parle. Mais là. Dans les loisirs, il y a les 100 000 heures de télévision. Ouais. Je vous rappelle quand même que 60% des Français ont un jardin. Dans les milieux populaires, on a un potager, mm. qui a à peu près 40%. Donc il faut faire attention à la carte postale, si vous voulez. Après, il y a des gens en grande difficulté. Il mm. y a des gens qui habitent dans des immeubles où il n'y a pas d'extérieur, on l'a bien vu pendant la pandémie, etc. Donc il ne s'agit pas de faire une société. Mais tout le monde a les mêmes horaires, si vous voulez. Après, la qualité du temps libre. C'est un enjeu majeur. Il y a des gens pour qui le temps libre, excusez-moi, c'est la télé, c'est pas forcément toujours négatif, mais quand même, et la bière, et d'autres, ça va être de voyager, etc. Donc, un vrai débat, c'est comment on donne du contenu positif au temps libre, comment on favorise dans les quartiers populaires des sorties, des activités, la lecture, la culture. Il faut plutôt se battre sur ça que sur des discours du Moyen-Âge qui ne correspondent plus à la masse de la société. Jean est-ce que quand on aime son travail, il est difficile de le quitter Je vous dis ça parce que vous avez 74 ans oui, mais si vous voulez, vous savez, il y a deux types de métiers. Il y a des métiers qui s'affrontent à la technique. Donc la technique se renouvelle sans cesse. Donc plus vous vieillissez, plus vous êtes déconnecté. Dire, oh, Et puis il y a des métiers où l'expérience accumule. Le Prenons le pape, par exemple. Vous voyez, Personne ne veut mettre un pape de 25 ans. Bon mais je parle pas pour, et donc les métiers intellectuels, les métiers artistiques, mais les politiques, l'essentiel des élus locaux sont des retraités, parce que là on accumule de l'expérience, des mmh. réseaux, du savoir. Donc ne mélangeons pas les gens qui s'affrontent à la technique et qui ont besoin d'être reformés, voire de changer de métier, parce qu'effectivement les nouvelles technologies, c'est difficile à apprendre à 60 ans, même mmh. si on sait les servir, moi je sais me servir, on est en ordinateur, je m'en sers toute la journée, mmh. mais quand il est en panne, je vais voir une de mes assistantes, je lui dis tu ne veux pas me le remettre en route Bon, elle, elle sait le faire Bon, donc il faut savoir, la question de la technique est importante pour certains métiers, d'autres métiers l'expérience est importante. N'ayons pas une carte postale, on n'est pas tous dans la même situation. Eh bien, merci beaucoup, jean pierre Ça fait du bien de prendre un peu de hauteur avec vous. Merci pour. Merci euh, beaucoup. D